Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le mercredi 14 décembre. Il est 9h17 du matin. Et dehors, it's snowing, it's neiging, il neige. Bon, un petit peu, ça va. Ça a neigé un petit peu plus avant. Là, ça reneige un petit peu. Ça commence à tenir sur la route. Voilà. On est plus sur de la pluie que la neige là, parce qu'il neigeait avant. Bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il neige plus? J'aime bien la neige moi, regardez, c'est tout blanc. Ah. Alors, ce matin, je me suis levé du coup pour Libye, elle est partie au collège, les enfants dormaient encore, donc je me suis recouché un petit peu. On s'est levé ensuite vers 8h30, le temps de se lever, s'habiller, machin, les enfants ont pris leur petit déjeuner, tout ça, je suis allé un petit peu sur le PC et je vous introduis cette vidéo en vous annonçant que j'ai une gorge en feu. Ouah, tout le monde est malade en ce moment, moi j'y ai échappé pour l'instant, j'étais content, bah si j'ai été malade la dernière fois mais genre une journée j'ai eu mal à la tête, mais là je me suis réveillé dans le lit, j'ai déglutis, ouah, je me suis dit j'ai trop mal la gorge, oh, truc de ouf, je me suis dit ouais c'est parce que c'est le matin tu sais, je viens de me lever et tout ça. Et en fait, que nenni, j'ai très 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 mal à la gorge. J'ai la gorge en feu. Ça me fait super mal. Comme tous ceux qui chopent une maladie en ce moment. Donc ouais, j'ai la gorge en feu, feu, feu. Ah, j'ai le rhume. Donc j'ai le nez bouché, j'ai la gorge en feu. Et en plus de ça, je tousse comme un cinglé. Et ça m'a quasiment fait vomir avant. Putain. J'ai toussé, 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 et à force de tousser, 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 bah, j'ai eu envie de dégueuler. J'étais à deux doigts. J'étais là, oh non, 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 j'aime pas du tout, du tout, du tout vomir. Enfin, qui aime bien vomir? Personne, vous allez me dire. Moi, ça me fait trop flipper, j'ai peur d'étouffer et tout ça. Et du coup, je me suis retenu, j'étais là. J'avalais ma salive, j'étais là, non, non, non. Et puis c'est bon, c'est parti. Jusqu'à la prochaine quinte de toux, donc j'espère que ça va quand même pas arriver. Mais ouais, j'ai la gorge en feu, donc là je prends l'isopaïne, enfin je prends les pastilles, j'ai pris du sirop pour la gorge et tout ça, qu'on a déjà à la maison, vu que les enfants sont déjà tombés malades de la même chose quasiment. Donc ouais, j'ai la gorge en feu, je suis un peu patraque. Je le sentais hier, en fait, c'est dingue, parce que hier, quand je suis allé chercher Malone au lycée, dans la voiture, je me sentais un petit peu... t'es un peu les vertiges, un petit peu dans ta tête, tu sens que wow, les choses tournent bizarrement autour de toi. Et je me suis dit moi-même, I told myself que ça sentait mauvais. Parce que quand je suis... Moi, c'est merveilleux, mon corps. J'arrive à prévoir que je vais être malade. Par exemple, alors désolé du terme, mais c'est vrai. Quand je rote et que ça sent le vomi, c'est que je vais avoir une gastro. Sauf que chez moi, la gastro, ça dure une demi-journée et c'est fini. Voilà. C'est tant mieux, mon corps est bien fait. Voilà, j'ai un bon métabolisme et tout ça. Et par contre, quand j'ai des vertiges... où je me sens un peu à l'ouest comme ça et tout ça, c'est que généralement je suis en train de couver quelque chose, alors quoi je ne sais pas, et ben voilà, j'étais en train de couver un mal de gorge atroce, mais j'ai vraiment très 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 mal à la gorge, elle est en feu là, ça me fait super mal, je vais pas aller chez le médecin pour l'instant, je fais confiance à mon organisme qui est assez costaud, et voilà, si demain ou après-demain ça s'est pas encore arrangé, bon j'aviserai, mais pour l'instant j'ai pas envie de courir chez le médecin, pour qu'il me dise, ah, vous avez une trachéite, voilà, c'est bon, je sais, je suis au courant. Donc je vais attendre un petit peu, je vais voir ce que ça donne. Mais ouais, du coup ça me fait un peu mal à la tête. J'ai un peu de vertige, j'ai mal à la gorge. Et je suis un peu enrhumé. Voilà, je tousse. Et là ça va, ça a été juste un coup. Parce que j'arrive plus à m'arrêter au bout d'un moment. Je tousse, je tousse, je tousse, je tousse, j'arrive plus, j'arrive plus, j'arrive plus. Quoi ? Les enfants, eux, ça va. Tant mieux. Mais moi là, c'est costaud là. Non, là, j'ai vraiment mal. Ça s'entend à ma voix, je crois ma voix est un peu plus grave. Je suis un peu plus atteint. Donc ce matin, Laura, elle s'est levée, elle a réussi à aller au travail avec la voiture. Il neigeait pas encore, elle m'a dit c'était un peu verglacé, mais ça va. Donc elle a réussi à aller au boulot. J'avais dit si vraiment il y a trop de neige, tu me le dis, tu me réveilles et je t'emmènerai. Je prendrai les enfants, tant pis, et je t'emmènerai au boulot. Mais c'est bon, elle a réussi à aller au travail, pas de soucis. À voir ce soir avec... parce que là, ils ont annoncé 3 jours non-stop de neige. Bon là c'est plus trop de la neige, là c'est un peu de la flotte qui tombe, c'est un peu du crachin comme ça. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais techniquement ils ont annoncé de la neige toute la journée. Donc on verra bien. Je regarde de nouveau la météo. Ouais depuis
9h jusqu'à pas d'heure. Hein. De toute façon, ils ont annoncé de la neige encore aujourd'hui, demain et après-demain. Bon, ah, ça a changé. Maintenant, demain, ils disent que s'il n'y a plus de neige. Bon, ouais, de toute façon, on verra bien. On verra bien, on verra bien. Ah. Dans tous les cas, au programme de ce jour, bah, là, on est mercredi. J'ai du rangement à faire sur mon bureau. Beaucoup de rangement à faire sur le bureau. Le repas de midi est déjà prêt parce qu'en fait Laura hier pendant que je montais mon vlog elle a préparé le repas de midi et le repas de ce soir. Alléluia. Donc ce matin rangement, un peu de boulot et tout ça. Ensuite à 11h30 on partira chercher Malone au lycée parce qu'en fait les parents de Laura sont couchés au lit. Ils sont malades aussi tous les deux et ils sont couchés KO. Donc j'irai, parce que d'habitude, en fait, c'est la mère de Laura qui va chercher Malone au lycée, ils mangent chez elle, enfin chez les parents de Laura, et après elle le ramène en début d'après-midi. Bah, du coup, là, c'est moi qui vais chercher Malone à midi. Ensuite, je rentre à la maison, je fais manger vite les enfants et je repars avec les petits, du coup, pour aller au rendez-vous de Léo, parce que Léo, il a son rendez-vous aujourd'hui, à 13h, de 13 à 14, et après, une fois que ce rendez-vous est fini, bah, je rentre à la maison. Donc voilà, je vais essayer pendant ce rendez-vous d'aller chez King Jouet pour voir si j'arrive à trouver son cadeau de Noël. Parce que je l'avais pas réussi à le trouver. Donc là, autant dire qu'aujourd'hui, je vais pas sortir la DS. Bon, elle a des pneus directionnels hein, sur la neige, la DS. Non, ça va avec les pneus directionnels, mais c'est pas des pneus neige. Bon, le Q7 non plus n'a pas de pneus neige. J'ai des pneus été, mais c'est un quattro. Et j'ai déjà roulé plusieurs fois sur la neige avec le Q7 et ça roule merveilleusement bien, sans problème et tout ça. Donc je prendrai le Q7 aujourd'hui de toute façon. Et puis voilà, ça ira. De toute façon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose sur la route. Hein. Ça va, c'est juste un léger voile. C'est ce matin qu'on s'est levé, ça neigeait. Là, ça, maintenant, c'est moyen-moyen. On verra comment ça évolue de toute façon au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, au niveau de ce petit programme. Ah, j'ai mal à la gorge. C'est costaud. Là, je vais aller me brosser les dents, machin et tout. Et puis après, je retournerai sur le PC. Je vais ranger mon bureau et tout ça. Ça fera du bien de ranger un petit peu et tout. Bon les amis, il est actuellement 9h43, j'étais sur le PC encore un peu. Je vais aller prendre les médocs, parce que je les ai pas encore pris. Ah, j'étais sur l'ordi, c'est bon. Faut que je nettoie le poêle à pelée là, il vient de se mettre en sécu parce qu'il faut nettoyer la chambre de combustion. Je vais faire ça. Nettoyer un petit coup à cuisine, mais ça va, pas grand chose à faire. Mais bon, tout de même, ne laissons pas très net et arrêter de neiger. Et la neige est en train de partir, donc voilà. C'est un petit peu triste quand même. Moi j'aime bien la neige. Mais bon, vu que je dois sortir cet après-midi deux fois, si je peux éviter qu'il y ait 30 cm de neige, bah, c'est toujours ça. Hein. Même si j'aime bien la neige, en voiture c'est jamais très pratique. Bref, ça voilà. Hop. Et let's go. Let's go, let's go. Ouais, faut aller en sécu. Je vais l'ouvrir comme ça va refroidir la chambre de combustion. Comme ça je peux le relancer. Alors, une fois par semaine, il faut le nettoyer à peu près. En plus en ce moment il tourne quand même pas mal. Hein. Il fait quand même pas mal froid dehors. C'est vrai qu'il tourne davantage. Oh, j'ai des vertiges. Je vais juste prendre les médocs, moi je te le dis. Hein. Et pas de mon fils. Hein. Je sais pas si je vous l'ai dit. Parce que je sais pas si j'ai revlogué ou pas. Mais du coup, bah, j'ai pris les médocs, j'en ai filé à Chloé aussi parce qu'elle commence à tousser. Et là, en fait, j'ai Malone qui m'a écrit avant pour me dire qu'il quittait à 11h et non pas midi. Bah, moi, ça m'arrange. Parce que du coup, c'était un peu la course du coup de le récupérer à midi, machin et tout. Donc là, il quittait à 11h. Il m'a demandé si c'était bon. Je dis oui, je viens de chercher à 11h. Pas de problème. Donc là, il est 10h30, on va pas tarder à partir. Bon, un peu comment la route ça va, mais de toute façon, ça a pas mal fondu. Là, c'est de la gadoue là. Voilà, là, c'est de la gadoue. Donc ça va aller. Bref, j'y vais. On va aller chercher Malone, et puis après on rentre tranquille, et puis après la routine de la journée et tout ça, de toute façon. J'ai nettoyé le poêle aussi, c'est bon, il retourne. Je l'ai aspiré de fond en comble, et de nouveau en route. Et comme ça il fait meilleur. Bon allez, je vous reprendrai quand je reviendrai. Bon les amis, nous sommes rentrés, c'est tout bon. Il est actuellement 11h31. Bon la route ça allait, ça glisse un petit peu forcément, c'est de la gadoue, du mélange de neige fondue, machin et tout ça. Mais là il fait 0,1 degré, c'est pour ça qu'il neige plus. Il fait plus suffisamment froid pour qu'il neige. Mais par contre il fait sombre. Hein. Oh vache, depuis tout à l'heure, ça s'est assombri d'un coup là. Je vais pas te mentir. J'ai sorti les deux tartes que Laura a préparées hier.
tarte pomme de terre lardon. Du coup, que je vais réchauffer. Comme ça, je suis à manger aux enfants. Après, Libby, elle rentre à midi et demi. Et ensuite, j'irai au rendez-vous avec Léo, du coup. Et puis après, bah, je rentre à la maison. Et pendant le rendez-vous, j'irai vite fait au magasin. Et puis, ça, ça sera fait. Bref. Let's go pour préparer le petit repas à 11h30. Oui, je vais commencer à faire chauffer tranquillement. Comme ça, les enfants, ils mangent. Je sais pas qu'on soit en retard au rendez-vous, donc on partira à midi et demi, comme d'habitude, hein, de toute façon. En roulant prudemment, n'est-ce pas? Bon, les amis, il est actuellement 12h30. On va pas tarder à partir avec Léo pour aller à ce rendez-vous. Je sais la caméra ici, je vous reprendrai après, quand je rentrerai. Donc, let's go. Bon, ça va. Au niveau météo, il tombe plus rien. Hein. Il pleut même. Ouais, voilà. Tranquille. Franchement, pas de problème, quoi. Nickelos. Bon, on prendra tout à l'heure. Bonjour. T'es prêt? Attends, je joue aux échecs. Ok. Bon, les amis, ouais, il est actuellement 14h05. C'est bon, nous sommes rentrés avec Léo. Prochain rendez-vous au mois de février. Voilà, tout va bien pour lui et tout. Donc, prochain rendez-vous en février. C'est un petit temps, du coup, tranquille et tout. Je suis allé, du coup, au magasin de jouets. J'ai trouvé son cadeau. Voilà. Il nous avait déjà un peu aiguillé sur ce qu'il voulait. Et là, je lui ai pris le top du top. J'ai dit à Laura, j'ai mis le prix. Mais j'ai pris le top du top. Mais je vous dirai pas quoi. Mais je voulais pas prendre un truc. Tu peux te dire, ah, ça va, tu peux prendre le modèle en dessous. Machin. Non, j'ai pris le top du top parce que je sais que Léo, il prend très soin de ses affaires. D'autant plus depuis qu'il a sa chambre. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé ça. Donc c'est cool. Là, je vais charger les fichiers du vlog sur le PC tranquille aussi. Chez Clora, à midi, elle était aussi au magasin pour chercher les cadeaux pour la copine de son frère, pour son frère, ou je sais pas quoi, machin et tout. Faut que je reconfigure son radiateur. Léo, il a débranché. Et voilà la chambre de Léo. Alors, du coup, il a mis ses affaires ici. Hein. Voilà. Voilà. La pierre de sa mère, là. Hop. Et il a sorti les Legos parce qu'il veut faire les Legos sur son bureau. Avec sa petite photo de place. Bon, il a parfait son lit, bien évidemment. Mais bon. Puis là, faut que je mette son applique, là, Harry Potter. Ces petits avions et tout ça. Bon, il y a toujours ce pote-là hein, qui partira du moment où lui il partira aussi. Théo, ça va, il a rangé. Oh bah. Ah bah, il a fait des Legos aussi, lui. Oh putain, il a fait une baraque. Il a fait un garage pour ses voitures. Ouais, on leur a dit maintenant vous avez chacun votre chambre, vous pouvez ramener des jouets dans votre chambre si vous voulez. Alors il a ramené tous les doudous, alors la collection de doudous, tiens. Alors, il a ramené les doudous et tout ça, voilà. Avec sa petite déco. Ça va, Théo, il a pas ramené grand chose. Il a aussi les guitares. Il est où le pull de Laura de Noël qu'elle parlait d'hier? Dans ses affaires, on te le donnera demain. Enfin, ce soir. Ah, que oui, par contre, elle en a mis à fond. Ah, Chloé, il va falloir qu'elle range chez les gosses. Non. Mais c'est le bon machin, c'est les jouets. Bon, elle m'a pris quand même une photo à moi. Hein? Elle m'a pris quand même une photo à moi. Ouais. Elle s'est dit, oh tiens, c'est une princesse. Ça me rappelle ma soeur. Comment tu dors plus avec elle? Oh, un radiateur. Ouais. Oh, parce que les gens sur internet ont dit qu'il n'y avait pas de radiateur dans vos chambres. Ouais, d'accord. On va aller voir dans ma chambre, il fait 19. Les gens disent beaucoup de choses. Hein. Après, 19, c'est bien dans la chambre. Oui. Chloé. C'est si on écoute les gens sur internet, vous êtes mal nourri, vous mangez pas votre faim, vous avez pas de jeu. Si vous mangez pas votre faim, je pense que Malone ne mangerait pas lui. Ouais, grave, surtout lui. Oh là. Ouais, hein. Ouais. Bon, chargez les fichiers, changez cette bête. Bon, les amis, il est actuellement 16h28. J'ai pas vlogué depuis tout à l'heure, on a joué un peu Overwatch avec Libby et Malone. C'était bien. Et là, Laura vient de m'écrire pour me demander comment c'était la route. Du coup, savoir si elle quittait bien à 18h ou si elle prenait un peu d'avance pour éviter le verglas et tout. J'écoute, là, je viens de sortir voir. Là où c'est mouillé, c'est mouillé. C'est de la flotte, il n'y a pas de verglas, rien du tout. Donc ça m'étonnerait qu'il gèle tout de suite, quoi. Et de toute façon, ils avaient annoncé une journée complète de neige, on n'a rien eu de tout ça. Ils avaient annoncé demain et après-demain de la neige, et il n'y a rien de tout ça.
Finalement, les prévisions ont changé, c'est de la flotte ou alors des nuages. Il fait pas assez froid de toute façon pour qu'il y ait de la glace, de la neige, du verglas ou quoi que ce soit de toute façon. En tout cas, de ce que la météo dit, c'est toujours pareil, c'est rien du tout. Ça, c'est pas Ronaldo sur la télé, vas-y. Je sais pas, j'ai pas vu. Tu sais que Léo il raconte beaucoup de bêtises, hein, donc. Léo, il a dit que je l'ai déjà vu, bah ça veut dire en vrai. Regarde, il dit que ça. C'est pas mal. Regarde. Bah si. Bah, il dit qu'il était pas en Portugal. Bah si, c'est qui? Si, c'est Théo qui a dit qu'il est pas Portugal. Si, bah, il est portugais. C'est, j'ai dit, moi, qu'il est. Mais pourquoi c'est l'espagnol là? C'est une langue qui ressemble, mais si, il est portugais. Est-ce que le portugais, il y a l'Espagne? Quoi? Est-ce que le portugais est accroché à l'Espagne? Oui, si tu veux. Donc du coup, je disais, pas de neige, rien du tout, contrairement aux à ce qui était annoncé initialement. Donc voilà, c'est tranquille. Là, je viens de donner un petit coup la cuisine, un petit coup le plan de travail. Là, faudra faire réchauffer la sauce du couscous, faire la semoule. On mange couscous ce soir. Laura l'avait déjà préparé le couscous hier. Donc, il y a juste à faire réchauffer à feu doux, du coup, la sauce, la garniture et tout. Et puis faire la semoule. J'ai chargé les fichiers du vlog déjà avant. Je pense pas que ce sera un très 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 long vlog, mais bon, on sait jamais, on peut être surpris. Je vais nettoyer ça. Puis voilà, on sera bon. Les enfants regardent la télé. Et puis voilà. Bon les amis, je fais un petit coup de rangement dans la cuisine, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a toi? Bah oui, je sais. Avec Chloé qui tousse de nouveau. Je vais donner le sirop, machin et tout ça, bien sûr. Je pense qu'à mon avis, on va voir comment ça se passe, mais. J'ai toujours mal à la gorge aussi. Je tousse toujours autant. Ah, quelle histoire. Je suis tous malade. Hein. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer à monter mon vlog maintenant. Donc j'ai encore un peu le temps là. Hop. Parce que il y a le match de foot ce soir. Je vais essayer de regarder un petit peu avant de faire le live. Let's go. Bon, voilà, il est 17h27. Je viens de monter le vlog jusqu'à maintenant. Comme ça, au moins, c'est fait. T'es niveau déréglé ou quoi? Mais non. Comme ça au moins c'est fait, le vlog est monté. Merci, au revoir, ciao, bonsoir. J'aurai juste après la partie à partir de maintenant à monter. Dehors, il ne gèle pas encore. C'est déjà ça. Oh. Un peu fatigué là. Avec le live de source, un live abonné, c'est bien. On est entre nous et tout. Entre nous. Ça va être sympa. Hop. Je vais commencer à faire chauffer du coup la sauce pour le couscous d'ici un petit quart d'heure, une vingtaine de minutes à peu près. Et puis après, je ferai la semoule, préparer la table et tout ça et tout ça et ça sera bon. Là, il y a Théo qui a pris sa douche, Léo va suivre, Chloé aussi. Et puis voilà, petite organisation du soir. Tranquillou pour ce mercredi, un peu patraque, mais pas mal de choses de faites. Après, j'ai pas beaucoup vlogué, désolé. C'est juste que bah à droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, j'ai pas forcément pris la caméra. Puis bon, pour vous dire, oui, alors j'ai bossé sur le PC, waouh. Voilà, tu vois. Donc c'est bien. Bon les amis, il est actuellement 18h09, je suis en train de me poser la question si je peux faire le live ce soir. Parce que je n'arrête pas de tousser. C'est infernal. Je tousse, j'éternue. Mal la gorge et tout. Et je me demande si je vais pas le décaler à demain midi, demain 13h30, parce que là... C'est pour faire un live d'une heure comme un niqué et tout. Je sais pas, je verrai au pire, je le dirai en story de toute façon. Et là, je suis allé emmener Libby du coup au théâtre. Et c'est tout blanc. Enfin, c'est tout blanc, ça va. Je suis allé l'emmener du coup avec le Q7. Ouais, pas de soucis, avec le Q7 ça roule bien de toute façon. Et là, Laura, elle sort du travail. Je vais dire, bon, panique pas, il y a de la neige au sol. Je sais pas, Cindy, mais en tout cas, ici, il y a de la neige. Je dis, mais ça va aller. Tu plantes pas les freins. Ouais, c'est de la neige pluie, tu sais, c'est. Il fait pas assez chaud de toute façon.
Je lui dis ne t'inquiète pas, je lui dis ça va aller, tu roules doucement, t'anticipes, tu laisses la voiture freiner au maximum, au lieu de freiner toi, de planter les freins, et ça va aller. Non, parce qu'elle aime pas, elle a vraiment peur sur la neige, mais ça, bon, ça va aller, j'en suis sûr. Elle va se débrouiller comme une chef. Voilà. La saleuse qui vient de passer là? Ah ouais. Oh putain, elle passe ici la saleuse. Oh bah tranquille. Tranquille. Bon, là je suis en train de faire réchauffer la sauce du couscous. Je vais faire la semoule aussi. Préparer la table. Et puis comme ça après on pourra manger quand on rentrera de toute façon. Ça sera bien une bombe. Et je pense que je vais faire une story pour dire que là. Ouais, je viens d'avoir un vertige là. Le repos est de mise à mon avis. C'est comme ça, hein. Je veux bien vlogger, mais par contre, faire un live pendant une heure alors que je tousse comme un cinglé. De toute façon, je peux le décaler à demain 13h30, c'est pas grave. Bon, les amis, il est actuellement 20h49. Laura a réussi à rentrer du boulot, c'est bon, sous la neige. Ensuite, on a mangé couscous. Après, je suis allé chercher Libby, du coup, à son cours de théâtre. Ça glisse un petit peu, ça va faire attention, de toute façon, puis c'est bon, tout va bien. Et puis là on est en train de regarder match de foot, j'ai décalé mon live à demain parce que là je tousse trop. J'ai trop la gorge pétée. Je suis pas bien pour trop la gorge pétée. Voyons voir ce que ça donne la neige. Ah ouais, d'accord. Je pense que demain ça va être la catastrophe. Ah oui quand même. Parce qu'il neige encore. C'est la miniature du vlog. Oh bah je préfère ça que du verglas. Ce qu'il y avait avant ou ce matin. La gadoue et tout, ça glisse encore plus. C'est beau, hein? C'est beau quand même. Oui. Laura qui a crié devant la télé quand ils ont failli marquer un but. Non mais, genre, l'équipe de France, elle arrive près du but. Laura, elle est là. Allez. Et puis du coup, moi, je fais allez. Et puis après, regarde, me donne un coup de chausson. Fait mais pourquoi tu cries? Je dis, mais c'est toi qui cries. Non, c'est toi. Je dis, mais non, je crie parce que tu cries. Je fais non, c'est toi qui a commencé à crier, à t'exciter. Hein. Non, j'ai crié parce qu'il a failli en avoir un. Ah, donc t'admets que t'as crié, qu'il a crié en premier. Il a failli en avoir deux et t'as crié. Alors j'ai crié, tu m'as dit, pourquoi tu cries? Mais j'ai dit, stop, il crie. Non, non, c'est toi. Tu me donnes un coup de chausson, tu m'as dit, mais pourquoi tu cries? Genre, mais. Bref. Donc, comme j'ai dit, là, on regarde le match tranquille. Je vais prendre un coup de sirop, là. Un coup de sirop pour la gorge aussi. J'espère que demain ça aille mieux. Et puis je montrerai le vlog après le match de foot. Là, de toute façon, je bosserai après de toute manière. Tu prends pas ta douche ? Merci. Il reste. Oui. Bah les cadeaux, on a bien avancé, hein, non mine de rien. Pour les gosses, il reste rien. Non. Juste les enveloppes des grands. Ouais. Et c'est tout. Non, je suis content. C'est bien. Oui. Allez, je me suis dit. Parce que, je disais aller où dans la voiture? C'est samedi prochain. Bah ouais. C'est déjà la semaine pro, quoi. Putain. Aujourd'hui au boulot, je me disais, bon, au pire, je vais pas à midi chercher les cadeaux. Et après, je me dis, ouais, mais attends, je vais y aller quand? Jeudi, vendredi. Après, je me suis dit, oh, bah, au pire, samedi, je bosse pas. Et après, je me suis dit, ouais, mais samedi, il va y avoir. Il faut que j'amène les enfants à Nancy, machin. Il va y avoir beaucoup de monde. Alors, je me suis dit, oh, la semaine prochaine. Et après, j'ai dit, mais attends, c'est quand? C'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, ça veut dire que la semaine prochaine, il y aura beaucoup de temps. Ouais, ouais. Très bien, c'est short hein, avec une heure de pause. Hein. Mais j'étais en train de regarder les pulls de Noël pour les petits. Et puis d'un coup, je regarde l'heure, je vois 35. Je dis, oh putain, faut que j'y aille le temps de passer la pièce et tout. Parce que je trouvais pas 14. Ouais. Et du coup, je regardais les 12. Et il y en avait en 12, mais il me paraissait petit. Ouais. Et j'en ai vu un autre, 12, mais il me paraissait plus grand. Donc t'as pris 12 plus grand. Voilà. Ou alors, j'ai vu un ensemble chemise de Noël avec un nœud papillon rouge. Mmh. Je me suis dit, ah, ça c'est pour Léo. Mais il n'y a pas sa taille. Et ça s'est arrêté au 8 ans. Merde. Alors, je me suis dit, bon, je pars pour Théo. Et après, je me suis dit, bah non, parce que Théo, du coup, il va pas trop kiffer. Ou alors, il va aimer, mais Léo, il va être jaloux parce que. Oui, oui, oui. Chemise avec un nœud papillon rouge. Ouais. Non, je prends le pull. T'as bien géré. Ouais.
Bon les amis, il est actuellement 22h20 et je vous clôture ce vlog parce que je vais le monter. Enfin je vais monter la fin en gros. Enfin la fin depuis 17h quoi. Donc là j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Moi je suis pas bien, j'ai des vertiges, machin et tout, je sais pas. C'est comme quand tu vas tomber dans les pommes, c'est un peu... des fourmis et tout. Mais bon, ça va aller. Allez des bisous, salut.